Allez, bienvenue tout le monde sur la bande à pixels, c'est Marty. Figurez-vous qu'on est reparti pour une vidéo de plantes versus zombies avec un DJ zombie qui se la pète. Comme je vous ai dit juste à l'instant, c'est l'heure de se faire donc un zombie DJ. Alors on est quand même loin de David Guetta, quoique peut-être avec sa tête de canard, on sait jamais. Mais en tout cas, voilà, on va devoir récupérer une quête et petit à petit... vous avez vu par rapport à la dernière vidéo, on va devoir récupérer des éléments pour rendre une tondeuse cool. Et donc il y a le premier des trois éléments donc pour cette grande quête, c'est tout simplement alors je crois que c'est pas le bon bot que je suis en train de voir. En tout cas, il faut récupérer divers éléments, donc il va y avoir plusieurs boss. Là, je crois que j'ai juste trouvé un mec pour des chasses. Donc des primes en fait. Récupérer les trois primes du centre-ville. Nous sommes... Si vous êtes... Alors attendez, j'ai rien compris ce qu'il a dit lui. On reviendra dessus calmement. Permis de chasse aux zombies. Ah voilà, donc ça veut dire que maintenant, on peut être chasseur de primes. Donc il va y avoir différents bastons. Il va y avoir différents bastons, mais pour l'instant nous ce qu'on cherche c'est du bot pour... essayer de développer... Vous savez ce qui est cool, donner un coup de main, hein. Qu'est-ce qu'il dit lui? Ah, le baron, voilà, c'est ça. C'est parti. Allez, donc là, j'ai pris la quête au grain de maïs, là. Donc, on a le baron Von Batz, donc baron Palooza. C'est le nom de la quête. Donc, papa maïs m'a donné un super tuyau parce que il me dit de récupérer le chapeau du baron. Alors, je vous laisserai mettre pause pour ceux qui veulent lire les dialogues incroyables de ce jeu, qui sont rappelons-le, extraordinaires. Le mec qui fait des blagues et tout, c'est super. J'aime les blagues drôles, voilà, un peu comme moi. Apparemment, le mec est super marrant dans la vie. Ouais, si, quelle chance. Vous avez vu sa petite banane, quand même super à la mode. Hein. Et voilà, donc nouvel objectif, trouver le baron Von Batz dans les égouts. Ça veut dire que les égouts, c'était donc... c'est l'épisode précédent, si je ne m'abuse. Ah, c'est pas les mêmes égouts. Alors toujours, hein, toujours les rues... agrémenté de zombies. Vous avez vu qu'ils ont plus ou moins de résistance selon ce qu'ils portent sur la tête. Donc les égouts, c'est ici. Logiquement, on va trouver le baron. Ah, une cinématique. On est enfermé dans les égouts. Jusque là, c'est normal. Ah bah, il est là, notre ami. Ok, donc il a un super sceptre magique avec des chauves-souris. Ah, c'est déjà le boss. Ok, bizarre. Ok, j'ai lancé une grenade pour rien. Super. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait comme attaque? Alors déjà, il fait popper des zombies. Ouh, on envoie des petits rayons moisis, là. Ok. Ah ouais, non, il fait quand même mal. Ouh là là, il m'a explosé un bon tiers de la vie. Boum. En même temps, j'essaie d'éclater les petits zombies. Donc, faut rester abrité. Oh, putain, ils me défoncent. Oh, ils me défoncent. Là, par contre, je perds beaucoup de santé. Alors, vous voyez que les bords de l'écran commencent à s'assombrir quand vous êtes à la moitié. Alors, si vous avez beaucoup d'inactivité, apparemment, vous avez une barre qui remonte. Regardez en bas à gauche pour la santé. Si vous êtes suffisamment inactif, vous avez la santé qui revient. Apparemment, je vais éclater sa bouche, mais trouver la lampe anti-chauve-souris. Alors apparemment, c'est au centre de la pièce. Ah oui, là, je perds de la santé, d'accord. On active un truc, ça fait partir les chauves-souris. Ok. Maintenant, il faut survivre à la malédiction. Et on a un chrono qui vient d'apparaître en haut. 40 secondes. Et on se ramasse des vagues zombies. Corps à corps, ils font mal quand même, hein, les garçons là. Oh, ça suffit les kékés là. On se fait des tacos, des pièces. Plus que 27 secondes. Ouais, bon, pas très compliqué pour l'instant le boss. Mais il a le mérite de faire mal. Alors, on avance tranquillou. Ouais, il a quand même de plus en plus d'ennemis, c'est quand même relou. 10 secondes. Et baisse dangereusement. Et
voilà, c'est bon. La santé remonte automatiquement. Le baron. Alors, Papa Maïs, donc, il me rappelle, le baron prépare un mauvais coup, fouiller les alentours. D'accord, donc on va fouiller les alentours. Petite mission. Alors, les alentours, c'est forcément la grande pièce, parce que j'ai accès à rien, en fait. On va chercher ça. Comment on voit... Ah, il y a des trucs en surbrillance, d'accord. Ok, bon, vous savez quoi? Je vais fouiller un peu partout. Je vous récupère dans quelques secondes pour la suite de la mission. Voilà, donc la suite de la mission, il se trouve que j'ai fouillé plein d'objets et que j'ai trouvé le super poster du baron. Baron Palooza. Le baron va donner un concert et il a embauché des roadies pour apporter son matos au parc. Point d'interrogation. Donc ça veut dire que on a une nouvelle étape dans notre superbe quête. C'est super, donc trouver le matos de concert. Vous voyez, toujours en haut à droite, les objectifs qui apparaissent. Par contre, ça met 2000 ans. Ça, c'est un peu relou, hein. C'est sympa les cinématiques, le côté l'univers, mais ça met 100 ans. Apparemment, il y a un archer là. Vous entendez la musique aussi? Musique zombie. Ça veut dire qu'on s'approcherait peut-être d'un défilé. Ouais, c'est par là, on entend bien la musique. Alors évidemment, vous cassez un peu des objets, hein, comme c'était à prévoir, vous avez... des trucs à trouver. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là-haut là? On va aller vérifier. Alors c'est bon à savoir aussi, les zombies, dans Plantes versus Zombies, vous avez les coffres qui sont un petit peu enterrés sous terre et ceux-là contiennent en général du... Ils sont enfoncés dans la terre et ceux-là ils contiennent du loot assez balèze. Donc vous voyez, comme vous venez de le voir, c'était 30 tacos. Ah, le baron est là. Alors, il fait toujours aussi mal. Son matos se déplace. Allez, j'ai mis mon spécial. On appuie sur triangle pour ce personnage-là. Ramasse-toi un peu de PV, là. Ça fait mal, il a disparu. Allez, on va faire un peu le ménage. Boum! Ça n'a rien fait du tout. J'ai complètement loupé les zombies. Parce qu'ils suivent le cortège. Allez, on fait un peu de carnage, là. C'est pas mal pour se faire plein de sous. Donc on suit le cortège. Je peux pas le détruire. Je viens de passer un niveau, ça c'est cool. Apparemment quand ils sont autour du cortège, la vie remonte. La vie des zombies remonte. C'est le boost. Ah, le baron est revenu. Il vient de m'éclater. On va voir derrière nous. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? On va faire le ménage avec ce truc là. Ah, il est là, sur la petite bagnole derrière. Alors j'ai rechargé mon triangle. Ouh, il y a des petites menaces là. C'était des bombes. Oh, putain, j'étais trop planqué. Le baron s'est barré. C'est presque un jeu de mots, ça. Le baron s'est barré. Ah, il est là. Ah, il va falloir qu'on l'atomise un petit peu de loin. Dans 5 secondes, j'ai mon truc qui revient. Je vais essayer de me caler du bonus. Tiens, je les atomise aussi. Attends. On va se déplacer tranquillement par là. Tiens, voilà, je te mets la dose, mec. C'est cadeau. Une fois qu'il a bien pris, il s'en va. Par contre, j'ai ma santé qui diminue fortement. Plutôt fortement, ouais. Alors, il faudrait que je me planque tout en haut. Ouais, c'est parti pour être compliqué quand même, cette histoire de baron, là. En fait, sa vie diminue super lentement. Donc, c'est une sorte de fil rouge, en fait, que vous avez à faire. Le boss est pas... à un seul endroit en fait. Donc il est... Oh, qu'est-ce qui se passe là? Putain, je suis encore avec une malédiction. Trouver la lampe anti-chauve-souris. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais courir dans les rues, je vous récupère dans 30 secondes, quand j'aurai tout. J'ai trouvé, il y avait un point jaune. Il faut savoir qu'entre-temps, j'ai quand même réussi à crever, comme une grosse brêle. Parce qu'en fait, la malédiction m'avait fait très mal avant de trouver... cette zone. Donc là, il y a plein de petites bombes. Par rapport à tout à l'heure. Faut pas que vous sortiez de la zone, hein, bien sûr, sinon les chauves-souris font super mal à vos PV. Et là, on reçoit vraiment énormément de petites bébêtes comme ça, là. Faut tout péter. Parce qu'ils font très mal au corps à corps. Je
puis en fait tout simplement c'est des petits kamikazes. Voilà, vous voyez ce que je viens de perdre. J'ai perdu 5-6% de la vie, ça fait mal. Allez, on est reparti, la grenade. Ça fait mal. Et en plus j'ai plein de tacos. Je suis un homme heureux. Ouais, il y a de plus en plus de persos. Allez, dernière vague. Ce qui reste 0 secondes. Ça passe. Ouh, j'ai perdu de la vie quand même au passage. Eh ben, c'est quand même passé. Ça débloque. C'est passé. Plutôt bien. Pendant que vous étiez aux prises avec le jeu Sorine, j'ai pas eu le temps de lire. Éliminer les zombies musicos. D'accord. Donc là, bah, comme d'habitude, hein, vous suivez. Je peux répéter, là, il n'y a pas de loot. Vous suivez votre petite marque jaune. Et vous arriverez sûrement. Oh, c'est pas un musicien, c'est un musicien lui. Je sais pas ce qu'il joue, mais. En tout cas, il va me filer un petit tacos. Bon, bah, je fais le clean dans la rue. On va voir comment ça... On va voir ce que ça donne. Bon, je vous ai épargné des bastonnades un petit peu relou quand même, parce que dans l'ensemble, le jeu est quand même super répétitif. Et là, voilà, donc on se prend ce type de boss. Je vous en laisse quand même un à l'écran. Donc votre bombe ne vous fait pas mal. Par contre, ça c'est pas mal le coup de l'hélice. Tiens, j'avais pas vu qu'on pouvait faire ça. Je vais essayer de lui mettre sa dose à lui. Boum. Ah ouais, non, ça fait très mal. Votre pouvoir, là, toutes les 20 secondes, ça fait très très mal. Bon, on va pouvoir aller éclater le baron. Là vous voyez que on est quasiment sur son lieu en fait de concert. Voilà, on est arrivé. Tiens, apprends-toi ça toi là. Ah non, il y a une cinématique d'abord. Ok, j'ai rien dit. Eh, j'étais pas loin quand je disais David Guetta tout à l'heure, c'est-à-dire que là on est carrément sur. Ouh, le mec il appuie sur une touche et gros mix quoi. Gros mix du DJ. Bon là apparemment c'est la dernière phase du boss. C'est parti pour la baston. Alors là, on va voir comment on va pouvoir le fumer. En tout cas, là, je vais pas y aller dans la dentelle, voilà. Avec ça, c'est mieux. Ils sont en train de me défoncer. J'ai perdu quasi la moitié de ma vie. Ça fait trop mal. Donc il a des alliés musiciens. Oh, je me fais ramasser là. Oh, ils font mal. Hein. Les petits zombies boss là, autour de lui, il y a des espèces de perso un peu plus fort, ils font trop mal. Bon allez, je rebalance mon spécial. Allez, ouais, ça descend fort, il n'y a plus beaucoup de vie. Moi en tout cas, elle est en train de remonter. On va voir où est-ce qu'il réapparaît, mais à mon avis on n'est pas loin d'avoir fini complètement le boss. Il est quand même résistant. Ouf. Finalement c'est de l'endurance, même si le jeu est répétitif, c'est quand même de l'endurance. Allez, on va lui mettre la sauce. On finit. Oh merde, il est parti. Ah, il me fait de la smoke. Oh le petit malin. Ah, je suis obligé d'attendre. Tout se recharge, les grenades, clairement, c'est pas son truc. Ah. Bon la vie, bon je suis pas mal barré, je pense que je vais pouvoir le finir. Allez, j'essaie de le finir maintenant. Mec, c'est ton spécial, c'est le moment. Go! Bam! Putain, c'est passé. Le baron est décédé, messieurs, dames. Magnifique, le chapeau du baron est à vous. Donc, ça voudrait dire que. Eh ben oui, voilà. Quête terminée, baron Palooza. Donc, c'est validé. On a le chapeau cool, vous voyez en bas. Vous avez récupéré le chapeau. J'ai monté de niveau. Bah, c'est super, je suis monté de niveau. Je sais pas parler français, c'est cool. De mal en épi, en plus ils font des jeux de mots, c'est magnifique. On va se retrouver très vite pour d'autres vidéos, pour notamment pour la suite de ces premières missions, avec donc le premier objectif de Plantes versus Zombies. J'espère que ça vous a plu, que vous passez un bon moment, même si le jeu est un peu répétitif, c'est quand même super marrant. En tout cas, moi je vous dis à très vite sur la bande à Pixel, c'était Marty, à plus tout le monde.